Alors, une petite question pour commencer, pour me lancer. Tu me demandes des questions? Oui. Eh bien, je ne sais pas dans quel ordre vous voulez nous présenter les livres que vous avez choisis. Alors, je ne sais pas. Je commence avec ce livre-ci, qui est un peu l'emblème de la maison, parce que le temps qu'il fait, c'est un titre emprunté à Armand Robin. Ce livre-ci, qui est un essai, La fausse parole, et c'est le premier livre que j'ai publié. Et c'est un livre pour moi très important, dans ce sens que, d'une certaine façon, il délimite le contexte général de mon travail d'éditeur. C'est un essai d'un poète sur la propagande, et spécialement la propagande des pays de l'Est. C'est un livre qui est apparu primitivement en 1953. Donc, toute la problématique qui s'articule entre la littérature et la politique se trouve dans ce livre. À l'époque où j'ai créé, c'est-à-dire 1981, on était dans un mouvement d'éclosion assez phénoménal de petites maisons d'édition qui avaient commencé 5-6 ans plus tôt, vers 1975, disons. Et je crois que je suis un des représentants parmi d'autres. Beaucoup ont disparu, certains, heureusement, sont toujours là. De cette race, si j'ose dire, d'éditeurs qui ont décidé d'agir dans un moment particulier de l'histoire récente de l'édition, où on peut dire, en simplifiant beaucoup, que les grandes maisons avaient lâché un certain nombre de leurs prérogatives, et notamment en matière de littérature. Alors, il faut ajouter à ça que pour beaucoup d'entre nous, nous avions plus ou moins fait des études, plus ou moins sérieuses, plus ou moins abouties, mais en tout cas, on était dans ce courant-là, c'est-à-dire malgré tout des gens relativement cultivés, politisés, on n'était pas très loin au fond de l'après-68, et d'une certaine façon, notre entrée dans la société s'est faite par là. Et par la littérature, qui, chose curieuse, c'est moins vrai pour moi que pour beaucoup de mes camarades, a été une façon de continuer la réflexion politique par d'autres langages. Il faut s'en souvenir dans une époque où l'utopie de la démocratisation de la lecture, qui était du reste y compris prise en charge par la collectivité, par les pouvoirs publics, par l'institution tout entière, était une idée très forte, jamais formulée, mais toujours présente à l'esprit de chacun. Et leur chef qui explique ce qu'ils font, et puis à l'autre bout de la chaîne, il y a les gens qui lisent. Conscience que non seulement nous avons vieilli, mais que cette société a terriblement vieilli, que cette société n'a plus la fraîcheur et la naïveté de la société que nous avons connue. Et donc l'écho que nous pouvons trouver auprès de nos semblables a des chances de se perdre très largement dans le labyrinthe que la société a créé entre les semblables en question. Là, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en vue, c'est dommage. Les derniers paysans, Traçard. Ça, c'est des livres de photos, ça aussi, une composition du journal.
vois deux bords écrits en gros, là, par exemple. Et voilà. André Dautel, j'ai publié un livre que je crois être son meilleur livre, son livre le plus extraordinaire, qui est La rhétorique fabuleuse, que vous voyez ici, où il y a un texte admirable qui est écrit comme un traité qui s'appelle Le vrai mystère des champignons. Et les champignons qui n'existent pas. Ça, c'est le premier livre que j'ai fait avec Jean-Pierre Abraham, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un livre avec des dessins de Vanik Karoff et qui est une correspondance entre un écrivain et une plasticienne. Ils s'échangeaient, elle lui envoyait un dessin, puis lui répondait avec un texte. Et au bout de quelques dizaines d'échanges, on a fait un livre. Ça, c'est une organisation, on ne peut plus aléatoire. Voilà, je suis ce que je vois, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure. Vivre entouré de livres, c'est pas mal quand même. Et être entouré des livres qu'on a voulu, qu'on a conçu, qu'on a mis en forme, c'est... C'est quand même très bien. On peut pas nier que c'est très bien. Mais comment vous dire ça, ça comporte sa petite part de mélancolie également, parce que d'une certaine façon, on déplore de ne pas partager cet idéal avec davantage de... On déplore que nos semblables soient si peu nombreux. Qui pourrait dire que avoir finalement, à travers les difficultés, les tempêtes diverses, fait librement le métier qu'il a choisi de faire pendant 30 ans, qui pourrait s'en plaindre? Non, moi je me plains pas du tout. Je trouve que c'est un vrai bonheur d'être au... Y compris ce côté un peu branquignol, si vous voulez, de l'accumulation des rayons où vous voyez des livres qui sont emballés dans du craft, comme ça se faisait il y a 20 ans, parce qu'ils ont dû être emballés il y a 20 ans, vous voyez. Et je trouve que ça sent pas le... on sent le passage du temps, mais pas la fossilisation, pas la mort qui... Voilà, c'est-à-dire que c'est pas comme si on arrivait dans un truc qui a été abandonné et fermé depuis des décennies. Il y a un mélange, je trouve, tout à fait vivant entre des paquets de livres qui ont été faits il y a 20 ans et d'autres qui ont été faits sans doute, je sais pas quoi, il y a quelques mois. Et que tout ça est un bouillonnement qui va assez bien à la temporalité des livres, qui est précisément de n'être pas de leur époque. Combien de livres j'ai réédités qui avaient paru dans les années 20, dans les années 30, et tout d'un coup, ils ont retrouvé une actualité. Je suppose qu'il y a dans les livres que j'ai publiés des choses qui reparaîtront un jour, sous la même forme ou sous d'autres formes et en dehors de moi. C'est pas mal de participer à ce mouvement qui nous excède, quoi. Plutôt bien, je trouve. On ne change pas énormément au cours de sa vie. Est-ce que je peux me vanter d'avoir été fidèle à mes auteurs ou d'être fidèle à moi-même? Je ne crois pas. Ça n'a pas de sens pour moi, voilà, c'est ce que je veux dire. En même temps, oui, si on veut simplement montrer la solidité de la construction, eh bien, je peux dire que
Oui, il y a des pierres angulaires, il y a des piliers, il y a... Oui, c'est une construction. C'est une construction et de ça, je suis assez fier. C'est une construction qui s'est faite peut-être plus par intuition que par volonté, mais rétrospectivement, je peux dire que c'est une construction. Alors après, que cette caractéristique de la construction d'un catalogue entraîne, si vous voulez, un système d'appartenance à des courants de pensée, de sensibilité, des amitiés, des désirs, une capacité de susciter le désir de l'autre de s'engager auprès de vous, etc. Alors c'est formidable, je veux dire, mais c'est comme ça, c'est pas plus que ça, c'est pas moins, hein, mais c'est pas plus. Peut-être aussi tout simplement le résultat de l'amour des autres. Enfin, moi, j'ai le sentiment que j'aurais jamais, si j'avais été plus tourné vers un projet personnel, disons, je me serais pas mis dans cette situation d'être un trait d'union entre des auteurs et des lecteurs, voire entre des auteurs entre eux, entre des lecteurs entre eux, etc. Ce rôle très particulier d'être au service d'une cause, d'un bien commun, de quelque chose comme ça, qui n'est pas là aussi, entendez-le avec le moins de grandiloquence possible, c'est une manière d'être avec les autres, d'être en société. C'est là que j'ai trouvé ma place, que j'ai senti assez jeune que ma place pouvait être. Aujourd'hui, je préférerais tirer un bilan plus glorieux, entre guillemets. Mais au fond, je n'ai jamais failli à ce désir qui a été le moteur de ma vie. Ça, c'est pas mal. Bon. Éternellement, immédiatement, dans le même instant. Enfin, l'essentiel, c'est cette notion qui est une notion de mise en et qui est pour moi capitale, c'est que dans la lutte contre le capitalisme, l'essentiel, c'est éternellement de trahir la bourgeoisie en employant, si c'est possible, ses propres armes. Et là, il s'agit de la culture bourgeoise et de la mettre à la disposition de ceux qui luttent contre elle. Mais la notion de trahison de la bourgeoisie est la notion la plus importante. Moi, je suis un bourgeois qui trahit la bourgeoisie et qui lutte toujours pour la trahir et pour la trahir mieux. Quand on entend la tenue de son propos, on aurait tout de même assez envie de savoir ce qu'il pense non pas de l'édition d'aujourd'hui, j'ai peur qu'on en pense tous la même chose, mais sur la possibilité de continuer ce métier comme un combat, comme une lutte pour une certaine égalité, une certaine liberté, etc. Parce que là, on voit bien, alors il est jeune à cette époque-là, mais quand même, il est... On voit bien qu'il est animé par une sorte d'idéal qui ne peut pas s'être éteint tant qu'il est vivant, je veux dire, voilà. Donc cet idéal, on aimerait savoir comment on peut le ranimer aujourd'hui, je veux dire, au moins en rêve. Bon, mais j'ai déjà tellement dispersé non pas mes forces, mais mon image, qui est quand même très fragmentée, parce qu'au fond, le monde aime bien la couleur unie, le son univoque, etc. J'ai déjà beaucoup dispersé en éclats mon image, en tout cas. C'est-à-dire que je fais à la fois, je sais pas quoi, des essais, de la fiction.
mais aussi de la photo, mais aussi de l'art, etc. Est-ce que je dois me mettre à faire de la politique? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça me tente, oui.